Ah, West Comeback, et ça me fait gros. Marseille, Cosmopolitan, gros. Tous unis, tous à ça. Marseille. On s'est dit, mais c'est quoi ce match? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous proposer, gros? 0-0 à la mi-temps, gros. Contre Dijon, la moutarde, bouge pas, bébé. Bouge pas, gros. Je vais te faire un sandwich. Je vais te faire un sandwich, gros. Parce que bon, on va leur montrer au Dijonais qu'est-ce qu'on leur fait ce soir. Moutarde de Dijon, bébé. On étale un peu. Ça fait beefsteak. Donc ce soir, bébé, on a fait la Dijonnaise. Pain moutarde. On a fait un pain, gros. Un pain moutarde. Parce que ce soir, gros, c'était un peu n'importe quoi. Grâce à Dieu, grâce à vous, gros. Ce qui s'est passé, c'est que ce soir, bébé, eh ben, vous êtes réveillé une deuxième mi-temps. Parce que c'est quoi, gros? Première mi-temps, c'était de la merde. Heureusement qu'il y avait mon neveu, mon petit neveu, mon petit cousin Germain. Bien oui. Ça va, bébé? Eh ouais, bébé. Mais là, par contre, je comprends pas, gros. Qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu as fait à la tête, bébé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais pas, gros. Et tu as rien la première mi-temps, gros? Ah, c'était. Je sais pas, je me suis affolé. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'étais tranquille sur mon siège, gros. Je me suis dit, mais. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais, gros? Je t'ai fait chier, non, première mi-temps, moi. Putain, en tant que chier, gros. J'étais sur ma chaise comme ça. Petit verre de coca. Putain, je me suis dit, c'est qui joue? Même ma grand-mère, elle fait mieux, voilà. Je sais, même ta grand-mère, fait mieux. Mais des côtés, ils sont pas rêvés, première mi-temps. Il a fallu que vous rentrez dans les vestiaires. Et que monsieur Rudy Garcia, bébé, il vous tire un peu les oreilles, parce qu'à un moment donné, bébé, un 0-0 contre la moutarde dijonnaise, gros, ça suffit pas. Et ça suffit pas, bébé. La moutarde de Dijon, on l'aime bien. On la mange, on la boit, on fait ce qu'on veut. Mais tu vois ce que je te dis, gros? À un moment donné, 0-0 contre Dijon, premier match de Ligue 1. C'est ça que vous proposez à vos supporters, gros? C'est ça? Même le mignon, il s'est fait chier tout au long du jeu, de la première minute, 45 minutes où il a essayé endormi. C'était de la merde, c'était. Et ouais. Je croyais que j'allais bander, mais bon. T'es. Ah, je me suis dit, je me taillais, c'est pas possible, gros. Eh là, heureusement qu'il s'est pas taillé parce qu'il s'est supporté à l'OM. Hier. Ah ouais, on va la vie à la mort, hein. Et bien sûr, et tu es resté jusqu'à la 90e minute, hein, bébé. Et enfin, heureusement, bébé, qu'en deuxième mi-temps, Rudy Garcia vous a un peu tiré les oreilles, gros, et que vous êtes un peu réveillé. Coaching payant par rapport à Rudy Garcia, qu'il avait un peu Dimitri Payet parce qu'il était là, il était pas là, il était là, il était pas là, il était là, il était pas là, gros. Mais à un moment donné, il a changé par rapport à Clinton Ndié, qui nous a mis un doublé, qui nous a régalé, gros. Tu nous as régalé, gros. Tu nous as régalé ou pas? Putain, j'ai régalé, Clinton, tu es le Sancho. Oh, Clinton, tu es le Sancho, tu es la famille. Tu es le Sancho, bébé. C'est quoi? Après. Quand Florent Thauvin il est venu, il nous a dit ouais, il est là, il est pas là, il nous a mis un but. Ça fait 3-0, gros. Et vous nous avez régalé, en fait, du coup. C'est-à-dire qu'il a fallu 45 minutes, gros, pour gamberger à savoir s'il va être cadré ou pas.
pas des sur ce, ça. Je t'embrasse, allez, bisous, tu vas nous faire, allez, bisous. Démarche. Au début, en première mi-temps, des 45 minutes, on est en train de s'emmerder, gros. Ça, c'est terminé, c'est fini, ça. C'est fini, non? Ah, je veux plus le voir, gros. Oh, ben, je te jure, c'était un truc de fou. J'ai cru, tu sais quoi, il y avait les gâteaux. Ouais. À un moment, j'ai dit à mon frère, je vais me tailler, je vais aller prendre les gâteaux, quoi. Y'a pas froid. J'allais rester sur le buffet, t'as. Ah, parce que, heureusement que c'était pas comme ça, il 90 minutes, frère. Y'a pas froid, c'est le jeu que le minot. Il voulait voir le match, gros, tellement qu'il s'est fait chier, il voulait manger les gâteaux. À cause de vous, les gars, même m'en donner un peu plus de respect, un peu plus de professionnalisme. Le petit Louis, là, il joue à l'OM, il joue à l'Olympique de Marseille, le petit. Hein? Il a beaucoup de respect pour ce club. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est Marseille comme moi. Hein? Mais à un moment donné, les gars, les 45 minutes, les 45 premières minutes, gros, plus jamais. C'est inadmissible! J'attends pas! C'est interdit! C'est interdit, cher! C'est interdit, je vais tout cacher! Voilà! Tu as compris, gros? Je suis comme un petit cousin, Louis. 3-0, ça va, ça suffit quand même, non? Ah, ça va, mais bon! Encore une fois, cette première mi-temps, Fada! Plus jamais, je te le dis! Et voilà! Plus jamais terminé, bébé! Hein? Donc voilà, les gars, ce soir, on a gagné 3-0. Bon, grâce à Dieu, tu sais quoi, gros? Premier match de Ligue 1, ça va, c'est bien passé. Hein? Contre Dijon, parce qu'à tout moment, ils nous pourraient la faire à l'envers, pas à l'envers. Mais nous, on leur fait à l'endroit, nous. Nous, on est à Marseille, nous. Nous, on est chez nous, nos vélodromes. Hein? Et tu sais quoi, malheureusement, il n'y avait pas les winners ce soir. Parce que ça court à cause de la LFP. Et la LFP, gros, moi, vous m'avez gonflé, la LFP. Hein? Vous interdisez les gens de venir au stade. Les gens qui payent leurs abonnements. Qui payent leur place pour aller voir la match de l'OM, gros. Hein? Qui sont là, qui, les gens qui se payent les frais, qui viennent voir l'OM. Qui ont tout pour aller voir l'OM, gros. Tu les interdis. Mais tu n'as pas honte de les interdire, gros. C'est interdit de les interdire. C'est interdit, gros, de les interdire. Et je te le dis, gros. Et moi, ça m'a gonflé, moi. La FP, pas la FP. Voilà. Eh oui. Eh ouais, la FP. Au bout d'un moment, les gars. Ouais. Déjà, des Samsung, les winners. Ouais, winners. Qui payent l'abonnement. Ça me paye sous, gros. Y'a plus que ça. Tu peux un peu les, quand même. Oh, ils bandent pour l'OM depuis que sont. Eh ben, faut. Hein, comme moi. Tu ne peux pas. Ils étaient durs de voir l'OM jouer. Et la foi, il a raison, Mino, et je sais, je vais encadrer la moutarde à la poubelle, bébé. On aime la poubelle, la moutarde. Parce que j'aurai les acarés aujourd'hui. Hein? Donc voilà, les gars, je suis avec mon petit neveu, mon petit cousin, Louis, le Sancho. Hein? Vous nous avez régalé quand même, 3-0. Heureusement que vous êtes réveillé en deuxième mi-temps. Hein? Mais frérot, par contre, arrêtez les premières mi-temps comme ça, qu'il n'y a pas d'action, pas de frappe. Vous êtes là, vous titubez, pas vous titubez, je veux dire que vous sortez de boîte. Détendez-vous, les gars, vous êtes au Vélodrome, on est avec vous, nous. On n'est pas vos ennemis, hein. Donc merci, petit Louis. Ouais. C'est le petit Louis, c'est sa famille. Qu'est-ce que tu as fait à la tête, bébé? Merci, hein. Donc sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci au petit Louis, la famille, c'est le Sancho. Hein? Ça a duré un peu longtemps, mais bref, ça me bat les couilles, gros. Vous êtes régalés, c'est le principal. Hein? Et merci infiniment à toute la team Bengus qui sont venus à la séance de dédicace cet après-midi, gros. Vous étiez des milliers, gros. Vous m'avez gonflé. Vous m'avez gonflé parce que je vous aime trop. Hein? Donc sur ce, viens se casse, Louis. Sur ce, je t'embrasse à Ibiza, tu m'as gonflé. Merci à Ibiza.